a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. I just keep the good vibes. Salut et bienvenue, c'est Squadra, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour un essai complet. Alors, petite vidéo différente, ça va pas être que de l'essai complet. Je vais vous parler du drift, parce que je préfère vous parler du drift lors de l'essai complet de cette voiture, qui est une voiture qui est modifiable chez HSW et qui a la modification drift. Donc je préfère vous en parler lors de cette vidéo. Donc on va d'abord parler de la voiture, on va la présenter comme d'habitude, comme tous les essais complets. Et après, ça ne va pas être un tuto, mais je vais vous parler du drift, je vais vous expliquer un peu mon ressenti là-dessus. Je sais que pas mal de gens ont été déçus. Moi, c'est tout l'inverse, je suis vraiment, vraiment très satisfait du drift. Donc on va en parler après. On va d'abord parler de la voiture. Alors l'essai complet d'aujourd'hui, c'est la Fathom FR36. Alors Fathom, c'est une marque qu'on a depuis GTA V qui est censée représenter Infiniti, la marque japonaise de luxe du groupe Nissan. Alors on n'avait qu'une seule voiture SUV, je crois il s'appelait FQ, je sais pas quoi. On avait déjà le SUV dans le jeu dans GTA V et maintenant on a cette FR36. Qui est une voiture inspirée de l'Infiniti G35 coupé, la version coupée, puisque c'est une voiture qui existe aussi en berline. Alors l'Infiniti G35 aux États-Unis, très connue, voiture très connue. Au Japon, elle a gardé le nom mythique de Skyline, hein, c'est elle qui gardait le nom Skyline. Alors à savoir que les Skyline au Japon, c'est des voitures totalement banales, hein, c'est des berlines, elles existent en 4 portes, elles existent en coupé. Et on a les versions GTR qui sont vraiment connues partout dans le monde et légendaires. Mais la Skyline, voilà, ça reste une voiture basique au Japon et aux États-Unis. Donc, elle s'appelle Infiniti G35. Donc, c'est la même base. C'est des voitures qui étaient équipées dans les années 2000, puisque cette voiture est inspirée de la G35 des années 2000. Elles étaient équipées des fameux moteurs V6 Nissan, là, 3,5 litres, je crois, ou 3,4 litres, je ne sais plus exactement la cylindrée. Voilà, des V6 qui pouvaient être un peu customisés et qui plaisaient beaucoup aux amateurs de tuning et donc aussi aux amateurs de drift. C'est pour ça que cette voiture a une grosse réputation de drifteuse et de voiture de tuning aux États-Unis. En Europe, elle n'est pas trop connue, mais là-bas, c'était une grosse star. D'ailleurs, vous avez, je crois, la Team Falcon qui avait engagé une G35 en drift et vous retrouverez dans le jeu, joli clin d'œil de Rockstar, le motif, exactement le même motif que, bon évidemment pas avec le vrai nom, mais que la drifteuse de chez Falcon. La voiture est vraiment très bien modélisée, comme d'habitude, hein, comme toutes les voitures qui sortent récemment sur GTA Online. Là, on n'est plus déçu trop de la modélisation. Évidemment, l'intérieur, on arrête d'en parler. Vous savez que Rockstar ne fait plus d'efforts de ce côté-là. Donc, on oublie les intérieurs. On sait que ça va être que du recyclage. On a des jantes qui m'ont l'air exclusives. C'est la première fois que je les vois. Dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'elles sont exclusives. Les feux arrière, très bien modélisé, rappelle vraiment la G35. Après, on a quelques éléments des Infiniti G37, qui était un autre coupé de la marque Infiniti. Mais voilà, voiture vraiment très très bien modélisée, très belle voiture. Après, chez nous, ça va pas faire un gros carton. C'est pas une voiture que les joueurs européens attendaient forcément, à part certains passionnés. Aux États-Unis, c'est vraiment une voiture qui va plaire énormément aux joueurs de GTA Online. Cette Fathom FR36 donc est dans la catégorie coupé et elle bénéficie de la nouvelle amélioration chez AO Special Works HSW, l'amélioration drift qui a été ajoutée avec la dernière mise à jour casse de haut vol Shop Shop. Alors cette amélioration, elle vous coûtera 200 000 $ pour chacune des voitures qui peuvent bénéficier de l'amélioration drift. Alors il y a 7 voitures pour le moment, donc on a la Fathom FR36, la Karine Futo GTX, la Dinka Jester RR, la Nice Remus,
la deux classes Tampa Drift, la deux classes Yosemite Drift et la Nice ZR 350. Majoritairement des voitures qui étaient déjà sorties lors des mises à jour précédentes et surtout lors de la mise à jour tuning. Donc des voitures vraiment qui ont des profils de drifteuses aussi. J'espère qu'ils en ajouteront d'autres dans le futur, ça serait sympa. Alors, cette amélioration drift chez HSW, pour la somme que vous allez payer, vous allez tout qui va être compris, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir, après avoir fait l'amélioration, faire des améliorations de performance. Vous allez pouvoir faire que de l'esthétique, de l'aileron, rabaisser la voiture, c'est tout. Mais les turbos, tout ça, ça va plus être possible. C'est un pack, on va dire, qui comprend toute l'amélioration. Alors ça transforme complètement la voiture au niveau du comportement. Vous avez une voiture qui va avoir un énorme angle de braquage comme toutes les drifteuses, une voiture qui va être capable carrément de faire des 360 sur elle-même et des gros demi-tours. Alors voilà, là on n'est pas trop dans le réalisme, même si les vraies voitures de drift ont cette capacité de braquer énormément avec un angle, un très gros angle de braquage, mais on a une voiture qui va vraiment tout le temps être en glisse. C'est sûr que de ce côté-là, c'est pas trop réaliste, mais vous allez voir lorsque vous allez attaquer les courses de drift, que vous allez, enfin personnellement, moi je vous le dis, je me suis régalé. Donc je vous le dis, si vous aimez vraiment la physique du jeu, que vous connaissez bien le jeu, que vous aimez le jeu, vous aimez rouler sur le jeu, vous allez adorer pouvoir enfin contrôler les voitures lors des dérives. Vous allez pouvoir un peu contrôler au gaz, vous allez pouvoir contrôler au frein à main, contrôler au frein, à la dérive, c'est un régal. Moi, je me régale lors des courses de drift, je vous le dis clairement. Après, je sais que pas mal n'ont pas aimé. Moi, je me régale. C'est sûr, on est très loin d'un vrai jeu de drift où on va retrouver des sensations complètement différentes. Mais là, sur GTA, pouvoir avoir cette sensation, c'est un truc que j'espérais depuis très longtemps. Et personnellement, je vous le dis, je suis comblé. Alors, cette amélioration, on revient un peu pour parler de ce que ça change. Ça rajoute encore une nouvelle catégorie au jeu qui est appelé la catégorie drift. Donc moi je vais pas vous faire des essais de catégorie drift parce que les voitures elles sont vraiment toutes équivalentes. Ça va être vraiment au feeling. Je pense que ça va être à vous de choisir votre voiture pour le drift, celle qui va vous convenir le mieux. Par exemple la Tampa Drift qui est une voiture très grosse qui va avoir plus tendance à faire des glissades un peu mieux contrôlées qu'une voiture qui va être plus courte. Donc voilà, c'est à vous de choisir, mais sachez que n'importe quelle voiture, vous pouvez faire des gros scores lors des courses de drift avec. Elles sont toutes capables de gagner. Et les courses de drift, ça se joue au point. Donc on va parler un peu des courses de drift. Voilà, ça se joue au point, peu importe si vous arrivez premier ou dernier. Ce qui compte, c'est de faire du point. Et je vous le dis clairement, le but principal, c'est carrément de faire un multiplicateur. Donc vous faites des multiplicateurs jusqu'à 5, et une fois que vous êtes à 5, ça reste au max, mais le but c'est voilà de rester en x5 toute la course sans toucher quelque chose et de faire que de la glisse. Et là vous allez faire un ultra drift à la fin de la course et vous allez exploser les scores. Vous avez des zones vertes sur les courses de drift, les circuits sont très bien faits d'ailleurs, je trouve que Rockstar a bien choisi les endroits pour faire les circuits, c'est vraiment pas mal. Vous avez des zones vertes qui vont vous augmenter plus rapidement le multiplicateur. Alors, c'est des zones qui sont un peu plus compliquées, que ça va être assez dur de drifter dans ces zones. Mais une fois que vous êtes dedans, vous allez monter votre multiplicateur jusqu'à x5. Vous avez des grands pylônes bleus. Lorsque vous passez près des pylônes comme ça, que vous avez l'avant ou l'arrière qui frôle, pareil, vous gagnez des points en plus pour les frôler. Et après, une fois que vous êtes en x5, par contre, c'est le maximum. Vous restez en x5, mais les scores continuent d'augmenter. Je vous le redis. Le but, c'est clairement d'être en dérive du début à la fin et de faire un drift qui s'arrête jamais pour exploser tous les scores. Chose très intéressante aussi avec cet ajout, c'est que ça donne une utilité à certaines voitures que beaucoup de joueurs attendaient, mais qui avaient déçu énormément de monde, comme par exemple la ZR 350 inspirée de la Mazda RX-7 qui était vraiment nulle en catégorie tuning. Là, en drifteuse, vous allez voir, moi je l'adore, elle est vraiment géniale. Donc voilà, ça lui donne une grosse utilité, elle devient performante évidemment puisqu'en drift elles sont toutes équivalentes et ça ajoute vraiment quelque chose de bien pour cette voiture. Chose très importante, attention, lorsque vous achetez l'amélioration drift sur votre voiture chez HSW, vous allez par exemple mettre votre voiture au garage, vous partez faire des courses, vous oubliez que vous avez mis l'amélioration drift sur la voiture, vous allez vous retrouver en course, même en catégorie super sportive ou quoi. Bon, il n'y a pas de super sportive en drift, mais c'est pour que vous compreniez le truc. Vous allez retrouver votre voiture en drifteuse. Donc, vous allez vous retrouver au milieu des autres qui ont des voitures améliorées à fond. Vous, avec une drifteuse, donc évidemment, vous n'allez pas gagner la course. Donc, faites attention à ça. Après, c'est une amélioration. Vous pouvez revenir en arrière. Je crois que ça coûte
50 000 ou 5 000, je ne sais plus, ça ne coûte pas trop cher pour enlever les modifications de drift et vous retrouvez votre voiture comme elle était modifiée avant. Donc, vous ne perdez pas vos améliorations de performance que vous avez achetées avant. Ça, c'est une bonne chose aussi parce qu'on sait que chez Rockstar, ils aiment bien nous voler tout ce qu'on a acheté. On va passer donc à l'essai complet de notre Fathom FR36. Je pense que je vous ai un peu tout dit sur le drift. Après, si vous voulez me poser des questions, vous avez les commentaires, vous le savez. On découvre cette voiture. On se retrouve juste après, comme d'hab, sur le circuit pour parler de ce qu'elle vaut un peu. Et vous allez voir que c'est aussi une grosse surprise, hein, ça devient une habitude. Et après, sur le tableau top 10 de la catégorie coupée. Donc, pas de tableau de catégorie drift, je vous le répète, ça sert à rien. Voilà, ça va être au feeling, c'est à vous de vous faire à la voiture qui va vous plaire le mieux. Moi, par exemple, je vous le dis, c'est la ZR350 que j'adore, mais celle-là aussi est vraiment très bien, la Fathom FR36, vraiment très bien en drift aussi, on peut se régaler avec et j'ai gagné pas mal de courses de drift avec. Bonne vidéo, à tout à l'heure. On your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You
Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. On se retrouve donc sur le circuit d'essai avec la Fatom FR36 et j'ai envie de lui dire à cette voiture, qu'est-ce que tu fous en catégorie coupée? C'est clairement une sportive, elle est monstrueusement efficace, que ce soit en freinage, en allonge. Son petit défaut, ça va être son manque de relance. Sur l'accélération, c'est un peu mou, mais bon voilà, au regard des autres performances, c'est vraiment pas grand chose. Une voiture donc très homogène qui tient très bien la route. On a un léger survirage sur les gros freinages, mais majoritairement une voiture très efficace qui va assurément exploser tous les chronos de la catégorie coupée. Vous allez le voir tout de suite dans le tableau top 10. Le tableau top 10 de la catégorie coupée, alors je vous explique un peu maintenant, vu qu'il y a ces nouvelles voitures qui ont l'amélioration Drift CHSW, je vous le marque en parenthèse de la couleur violette là qui symbolise le HSW, je marque Drift entre parenthèses en majuscule, ça voudra dire que la voiture possède l'amélioration Drift CHSW. Donc pas besoin de faire un nouveau tableau avec la catégorie Drift, hein. Vous le savez, je vous l'ai expliqué au début de la vidéo. Alors, vous le voyez, c'est clair, c'est net, c'est vert, c'est en premier. On est encore, je vous dis encore parce que la Dominator GT que j'ai essayé juste avant a explosé la catégorie gros cylindrée. Là, on explose et on massacre même plus qu'exploser, hein, la catégorie coupée, puisque regardez les temps, 59,393. On est carrément presque à côté de la Sentinel XS en version HSW. Donc voilà, c'est vraiment des performances de fou pour une voiture, une coupée, qui va, je pense, à moins qu'ils sortent encore des voitures encore plus puissantes, mais qui va rester très longtemps première de la catégorie, puisque la Karine Prévion, qui avait été ajoutée il y a un petit moment déjà, avait déjà pas mal cassé les chronos. Là, c'est clairement la meilleure de la catégorie coupée, jusqu'à taquiner la version HSW de la Sentinel XS. Donc du coup, sur mon classement, sur le Google Sheet que vous allez retrouver, hein, que je vous mets le lien dans la description de la vidéo et en commentaire, vous allez la retrouver deuxième, puisqu'évidemment sur ce classement là je mets les HSW aussi en première position. Petite chose que j'ai oublié de vous préciser au début de la vidéo, c'est que on avait sur le jeu les améliorations pneus faible adhérence pour simuler un peu l'effet de drift sur les voitures.
Je me demande si Rockstar va laisser ça ou va le retirer, parce que je pense que maintenant, avec cette amélioration, c'est devenu totalement obsolète. Le seul avantage des pneus faible adhérence, ça va être vraiment de pouvoir les mettre sur n'importe quelle voiture par rapport à l'amélioration drift de HSW qui est dispo que uniquement sur un très petit nombre de voitures. C'était une petite chose que je voulais vous dire au début et que j'avais oublié de vous dire. Donc très 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 satisfait de cette voiture, mais aussi également de ce nouvel ajout drift sur le jeu qui redonne un peu de peps au jeu. Vous savez qu'on va devoir attendre un peu avant de pouvoir se régaler à Vice City, donc c'est bien d'avoir des bons ajouts sur GTA Online pour pouvoir jouer encore pendant un an voire plus. Je sais pas combien ça va durer, mais je pense qu'on va devoir encore attendre un peu. Très bonne voiture, très bon ajout le drift. On a la nouvelle de la catégorie coupée. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour le prochain essai complet. À plus, ciao ciao.